municipalité de Lac-Beauport vous invite à venir participer à l'activité Bazardons ensemble le dimanche 7 mai prochain de 10h à 15h, seul ou en famille, pour profiter de toutes les activités offertes lors de cette journée animée qui aura lieu au bâtiment du lac de l'école Montagnac. Ce qui vous attend, c'est un gymnase ouvert pour pratiquer différentes activités en accès libre comme le badminton, le pickleball ou encore la gymnastique. Un parcours actif animé pour petits et grands dans la palestre. Une bibliothèque où vous pourrez acheter à petit prix des livres usagés, la visite des pompiers qui viendront parler de prévention et un marché aux puces extérieures. Évidemment, d'autres surprises seront au rendez-vous. L'activité est organisée en collaboration avec les organismes locaux Espace Famille Lac-Beauport, la Maison des Jeunes Le Cabanon et le Centre de plein air Le Saisonnier. Aucune inscription n'est requise, vous n'avez qu'à vous présenter sur place. Rendez-vous sur la page Facebook de la municipalité de Lac-Beauport pour tout savoir sur cet événement. Du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval, le stationnement du Centre récréotouristique des Hautes-Terres sera gratuit pour les résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval qui fréquentent le sentier pédestre de la montagne à deux têtes, et ce pour l'année 2023. La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval et le Centre récréotouristique des Hautes-Terres ont renouvelé l'entente qui prévaut depuis le 1er mai 2022. Soulignons que le coût du stationnement est toujours inclus dans le prix du billet donnant accès aux activités du Centre récréotouristique des Hautes-Terres. Pour plus de détails à ce sujet, lisez l'article complet à la page 5 du journal Le Lavallois. Annexé à la réserve naturelle des Marais du Nord depuis 2013, le lac Savard fait partie d'un complexe de milieux humides d'environ 300 hectares constitué de marais, de tourbières, de marécages et de prairies humides. Il représente donc un riche habitat pour la faune et la flore. Toutefois, une grande colonie de roseaux communs a été délimitée en 2018 sur une propriété de la ville de Québec située en périphérie de la réserve naturelle. Cette plante exotique envahissante est une graminée qui affectionne particulièrement les marais et les fossés de route et dont les impacts nuisibles sur la biodiversité sont reconnus. Comme un seul plant de roseau commun peut produire chaque année entre 500 et 2000 graines, il fallait alors agir le plus rapidement possible afin d'empêcher l'invasion des milieux naturels situés à proximité ou en aval. En collaboration avec la Ville de Québec et avec la participation financière de la Fondation de la Faune du Québec via le programme de lutte contre les plantes exotiques envahissantes, Agiro a complété en septembre dernier la phase 2 de son projet de lutte aux roseaux communs. Rendez-vous à la page 19 du Petit Rapporteur pour obtenir davantage d'informations à ce sujet. Un soutien totalisant plus de 1 million de $ de la part de la Ville de Québec a été accordé au Cégep Limoilou pour que les étudiants de cet établissement puissent utiliser les infrastructures sportives à proximité grâce au renouvellement de l'entente en place depuis 1991. Ce sera le cas notamment des gymnases, des patinoires, de la piscine, d'une salle d'activité physique, de vestiaires ainsi que de terrains extérieurs de soccer et de tennis. Le Cégep Limoilou pourra ainsi assurer la prestation de son offre de services d'enseignement sur le campus de Charlebourg. Pour plus d'informations, lisez l'article complet sur le site web de Métro-Québec. Les citoyens ont répondu présents à l'appel du service des loisirs de Stoneham et Tewksbury à l'occasion de la relâche. Sur les 16 activités gratuites proposées à la population, seules 3 d'entre elles ont dû être annulées par manque d'inscription. Toutes les autres ont fait salle comble. Soulignons également la belle participation aux deux concours organisés sur la plateforme Horizon, à savoir le « Cherche et trouve dans ta municipalité » et le « Défi château de neige ». La municipalité est fière d'avoir organisé certains ateliers et événements en collaboration avec des organismes du milieu, dont l'Association féminine des Cantons Unis, venue partager ses secrets pour la confection de tartes et pour la réalisation d'un foulard en tricot. La Maison des Jeunes était quant à elle présente aux deux soirées de patinage animé. Rendez-vous à la page 5 de l'Écho du Lac pour avoir plus d'informations sur ces activités. Thank you.
La fin de session approche. Pour maximiser son temps de déplacement, le transport collectif de la Jacques-Cartier est l'option la plus avantageuse. En plus d'être beaucoup plus économique que de payer du stationnement, prendre l'autobus permet de réviser ses notes ou de faire ses lectures. Un moment d'étude de dernière minute idéal pour la fin de la session. D'autant plus que le TCJC vous offre des trajets allant directement dans les secteurs de Sainte-Foy et de la colline parlementaire. Pour connaître les horaires de votre municipalité, consultez le tcjacquescartier.com. C'est à l'occasion de son Assemblée générale annuelle que la Société de développement économique de la Jacques-Cartier a dévoilé son bilan de la dernière année. Au total, l'équipe de la SDE aura apporté son soutien à plus de 120 entrepreneurs. En plus d'apporter son aide technique, la SDE a contribué financièrement à 26 projets d'affaires. Un soutien qui a permis de générer des investissements totaux de plus de 6,5 millions de dollars et de créer ou de maintenir plus de 70 emplois dans la région. Pour consulter le rapport annuel et constater l'apport de la SDE au développement et à la vitalité économique de la région de la Jacques-Cartier, visitez le www.sde.jacques-cartier.com.
L'organisme Rafale est fier de vous recevoir lors de 3 ateliers Manger à petit prix. En ces périodes d'inflation, manger, ça coûte cher. Mais bien manger coûte-t-il nécessairement plus cher? Le Carrefour Jeunesse-Emploi Charlebourg-Chauveau, en collaboration avec le CIUS de la Capitale-Nationale, tentera de répondre à cette question. Ils parleront particulièrement de l'évaluation de l'alimentation dans le budget, de la planification des repas, incluant des trucs et astuces pour économiser, et des stratégies marketing des épiceries. Une carte cadeau d'épicerie sera offerte en prix de présence par tirage à l'un des participants et des outils seront offerts à chacun d'eux en fin d'atelier. Profitez des conseils de pros gratuitement. Ressortez avec des outils concrets et courez la chance de gagner un des certificats cadeaux en épicerie. Inscrivez-vous au 418-623-3300, poste 258. Agiro et Action Transition vous invitent à participer au défi Zéro déchet pour améliorer les milieux de vie et l'environnement. Pour vous inscrire, visitez le site web d'Agiro ou d'Action Transition. Joignez-vous à eux pour nettoyer les milieux naturels. Agiro et Action Transition vous invitent à participer à ce geste citoyen essentiel pour améliorer les milieux de vie et l'environnement. Le grand nettoyage printanier concerne plus de 10 sites, dont les parcs, les sentiers récréatifs et les bords de route fréquentés quotidiennement et appréciés de tous. L'activité a lieu sur le territoire de la municipalité de Stoneham et Tewksbury et de la Ville de Québec. Le point de départ sera déterminé à la suite de votre inscription. Contactez-les si vous désirez faire l'activité près de chez vous. Des points de collecte pourront être ajoutés. Rendez-vous sur la page Facebook d'Action Transition ou d'Agiro pour plus de détails. Famille et amis, venez danser au rythme de la musique avec des bâtons lumineux dans une ambiance festive et haute en couleurs. Pendant une heure, bougez et vibrez dans ce spectacle son et lumière dont vous ferez partie intégrante. Les bâtons lumineux vous seront fournis sur place. Comme l'activité se déroule dans le gymnase de l'école Montagnac, bâtiment du lac, vous devez être chaussé d'espadrilles qui ne marquent pas le sol. Vous pouvez effectuer votre inscription via l'application Voilà ou encore contacter la réception du service des loisirs au 418 849 7141, poste 244.